Un véhicule vient de passer la frontière. Plaque vaudoise ? Plaque vaudoise. Attention, ils arrivent ! Cette fois, on va les choper. Ils sont combien ? Il est tout seul. Il sort la marchandise du coffre. Tout le monde en position ! Vous êtes cernés ! Encore un beau doigt qui vient jeter ses poubelles à Genève. Chef, c'est une femme. Non, mais vous vous prenez pour qui? Enfin, presque. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est Marie-Thérèse. Mais comment il m'a reconnu? Tu connais? Mais oui, Marie-Thérèse Porsche. Mais oui, Jacqueline. Alors, comme ça, on vient jeter ses poubelles chez nous? Moi? Mais pas du tout, quelle drôle d'idée. Alors, la belle, elle vient pas du tout, c'est la poubelle. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle se faire prendre la main dans le sac. C'est dommage, une si belle vieuse. Oh, Madame Lopez, avec mes Tupperware. La 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 la. Soleil. Elle va se calmer, la balayette. Ton compte est bon. Et toi, ton conteneur? Excellent, mais t'as compris, ton conteneur. En tout cas, vous rigolerez moins quand vous aurez reçu l'amende. Une amende? Alors ça me trouve le sac. Enfin, mais puisque je vous dis que c'est pas ma poubelle. C'est ce qu'on va voir. Ouvrez-moi ça. Non, mais vous n'avez pas le droit. La PP a tous les droits. La PP? La patrouille poubelle. Moi, je suis patrouilleur balayage. Je suis PP. Moi, je suis patrouilleur recyclage, je suis PR. Moi, je suis patrouilleur détritus, et je suis bien content. Nous sommes chargés de faire respecter la loi. Et la loi, pour les Baudois, c'est le sac taxé. Alors là, si vous croyez que vous m'impressionnez... J'appelle le labo, vas-y. Je vais vous vérifier le sac. Avec plaisir. Et ça, c'est pour les déchets? Non, mais enfin, puisque je vous dis que c'est pas ma poubelle, c'est mon sac à main. Et rendez-moi mon peigne. Alors, vous êtes une poubelle. Non, et ma crème de jour. Les gars, on transvase. Arrête! Non, on ne fouille pas dans le sac à main des dames. Votre sac à main, et pourquoi pas votre sac à dos? Ah non, alors ne mêlez pas mon fils à tout ça. Voilà, les experts. Mais tu nous fatigues, la balayette. Non, mais les experts de quoi? La voirie scientifique vaudoise. Mais bon, c'est joli. Alors lui, c'est quoi? Lui, c'est un PB ou un PR? Lui, c'est un patrouilleur qualifié, un PQ. Alors effectivement, il a l'air au bout du rouleau. En ce qui concerne les enquêtes de poubelle, nous avons 28 surveilleurs assermentés qui se relayent H24. Afin de traquer les sacs non conformes et, le cas échéant, de perquisitionner les conteneurs suspects. Une simple enveloppe, une étiquette sur un journal ou sur une boîte de médicaments, un simple ticket de caisse peuvent suffire à confondre le contrevenant. Un ticket de caisse? Oui, monsieur. Car nous sommes habilités à saisir la justice afin d'identifier le propriétaire d'une carte Cumulus. Et alors là, dès qu'on l'obtient, évidemment, paf, dans le cul la balayette. Si je veux. Bon, on va voir tout ça. Voilà, ça c'est juste. Alors, regarde-moi ça. Rien que ça déjà, vous. Alors ça. Alors, facture abonnement 12 mois, fitness harmonie, Porsche Marie-Thérèse. Ah non, alors ça c'est pas pour moi, ça doit être pour une autre, mon fitness harmonie. Moi je n'ai pas besoin de fitness, je suis déjà tout en harmonie. Et ça, regarde-moi ça. alors là, c'est joli, ça c'est le pompon. Gonnet et compagnie, private bankers since 1847. Non, tête-toi. Gestion de fortune, fiscalité, tête-toi, prévoyance. Tête-toi, je te dis, tête-toi. Nous avons crédité tête-toi, le compte. Tête-toi, je te dis, tête-toi, gonnet pas. Voilà. Oh là là, yo yo, mais il y a des choses dans votre poubelle. Enfin, puisque je vous dis que c'est pas une poubelle. Ah bon? Puis ça, le programme politique des Verts libéraux. Bon, d'accord, c'est une poubelle. Je t'ai tout dit. Vite ton sac. Les Vaudois sont des monomaniaques.
La seule chose qui leur fout la niaque, c'est nous faire payer la taxe, la taxe, la taxe. C'est pire qu'une invasion de Morbac. La voirie passe à l'attaque pour nous faire payer. Supprimer, on veut les raccourcir, c'est pas lire. Eh ben, vous êtes aimable comme une porte de la rue des Granges, vous. C'est ringard. Il y a de moins en moins de monde chaque année. Ça n'intéresse plus les jeunes voix. Non, alors vous confondez avec les automnales. Même chose. C'est quoi, les automnales? Je vais pas connaître, t'es trop jeune. Oui, c'est l'ex-foire de Genève. Ça s'appelle les automnales à cause des visiteurs. Mmh. Oui, parce que la plupart d'entre eux ne passeront pas l'hiver. Revenons à notre initiative. Nous avons le projet de regrouper toutes les fêtes de Genève sur 3 jours. Ouais. Mais pourquoi ça? Trop de monde, trop de nuisances, trop de dégâts, trop de déchets et trop d'arabes avec leurs femmes voilées. C'est plus un rem, c'est le bol d'or. Trop d'odeurs, frites, kebab, raclette, churros, merguez, rouleaux de printemps. Oh là là. Et toutes ces filles à moitié nues, avec leurs jupes, à la salle des fêtes. Non mais ça va pas. Pas chaud. Ce n'est plus une fête populaire, c'est le temple du mercantilisme. Une machine à pognon. Vous m'avez vu les prix? Faites une honte. Alors ça, je peux pas vous donner tort. L'année dernière, Jacqueline, pour une crêpe jambon fromage, un thé froid et une coupe d'Anne-Marc, elle a dû faire un leasing. Et trop de bruit avec ce feu d'artifice qui empêche les riverains de dormir. Quoi, vous voulez interdire le feu d'artifice? Non, mais on le fera le samedi après-midi. Oui, c'est pour ça qu'on veut tout regrouper sur un seul week-end. Vous devriez en profiter pour fêter Noël, Pâques, le jeûne genevois et l'escalade en même temps, comme ça vous serez débarrassés. Mais c'est une excellente idée. Je vous prends dans le comité. Vous signez là. Non, pas question, je suis venue pour m'amuser, moi. Pas pour sécher comme vos vieilles bigotes mal rasées. Oh. Non mais
C'est qui ce guignol? Vous connaissez pas Jean Barthe? Monsieur Sinistrose! Son rêve, c'est qu'il se passe rien et que tout le monde s'emmerde. Ah bah, je vais l'emmener à la comédie, c'est juste à côté. Halte à la foire dans notre cité. Nettoyons les squares, libérons les quais. Libérés, délivrés. Oh non, bien fait, sale jeune. Oh, mais il est pas un peu réac, un peu rétrograde? Mais non, il est juste un peu con. Allez-y, Catherine, musique. À la fête, j'aime pas faire la fête. À la fête, moi j'interdirai les buvettes. J'interdirai les buvettes. Les buvettes. Les buvettes. À la fête. À la fête. Allez, viens voir un petit coup à la maison. Tu nous casses les couilles avec ta pétition. Allez, viens me faire. Allez, lâche-toi, Jeannot. Pas question, je ne me mélange pas à la racaille. Oh, non. Et fais quand même Marie-Thérèse Porfait. Bah, Fille, fait bon pour nous, elle est très connue. Pas question. Je déteste Marie-Thérèse, elle me fait rire. Mais vous avez raison, on a besoin de gens comme elle. J'y vais. Non, Jean, non. Courave. Madame Porcher. Monsieur Barthe. Qu'est-ce qu'on vous sert, monsieur Barthe? Margarita, caipi, mojito? Un carré viand, pas trop froid. Allez, monsieur Barthes, un petit cocktail de fruits. Sans alcool. Je sais pas. Oh, laissez-vous tenter, sans alcool, hein? Eh ben d'accord, je me lance, d'accord. Mais une condition, vous signez notre initiative. Oh, mais c'est qu'il est malin, hein? Nous avons déjà plus de 3000 signatures et il nous en faut 4000. Oh, bah, ça devrait aller. À Genève, les rabat-joie, c'est pas ça qui manque. Nous sommes sur le point d'obtenir la signature d'Anne Emery Thorin-Sainte-Anne. Mais qu'est-ce que je vous disais? Elle a pas souri depuis 1974. Même les touristes se plaignent de l'insécurité croissante pendant les fêtes. Mais ils exagèrent. Oh, détrompez-vous. L'année dernière, un sultan saoudien a été violemment agressé par un dangereux criminel récidiviste en pleine fête foraine sur les quais. Un criminel récidiviste? Et qu'est-ce qu'il faisait là? Ah ben, c'est la pâquerette. Il leur donne des tickets pour aller au manège. Et qu'est-ce qu'il lui a fait au sultan? Oh, il l'a transpercé avec son sabre. Oh. Mais c'est ce qu'on appelle la traversée de l'arabe. À la fête, ils lui ont fait sa fête. À la fête, ils l'ont poignardé. J'interdirai les couteaux. J'interdirai les couteaux. Les manèges. Les manèges. Les pétards. Les pétards. Les saucisses. Les saucisses. Les buvettes. Les buvettes. À la fête. À la fête. Ah. Alors ça, je l'ai toujours dit, c'est bien meilleur sans alcool. Allez, cul sec. Dis donc, qu'est-ce que vous en savez? Oh, Catherine, ils sont en train de le saouler, vite, passe-moi ma flûte. Oh oui, oh bravo, Nicole. C'est la reine de la flûte. Alors ça, ça ne me regarde pas. Santé, ouais. Allez, fêtes plus courtes et conviviales. Oh non, mais sont super cool ces fêtes, franchement. Vous allez pas nous les raccourcir? Ah ben écoutez, j'hésite, hein. J'hésite parce que quand on regarde bien, quand c'est court, c'est quand même bien plus convivial, hein. Non, mais alors vous n'y êtes pas du tout, monsieur Barthes. Ce qui vous plaît, c'est pas que la jupe soit courte, c'est que la jambe soit longue. Jean, notre initiative, Jean, notre initiative. Vive les fêtes. Ah, tu sais quoi? Ton initiative, tu peux la tailler en pointe et t'asseoir dessus. Vous verrez, c'est une façon comme une autre de faire la fête. Catherine! À la fête, il faut faire la fête. À la fête, tout autorisé. J'autoriserai la fumette. T'autoriserai la fumette. Les partouzes. Les partouzes. Les dealers. Les dealers. Les burkas. Les burkas. Les voleurs. Les voleurs. Les couteaux. Les couteaux. Les manèges. Les manèges. Les pétards. Les pétards. Les saucisses. Les saucisses. Les buvettes. Les buvettes. À la fête. À la fête. Ah.